Salut à tous, amis fans de catch, c'est Dr. Catch du blog Catch en frontière. Et la soie qui pue comme ça ici. Ouf, ah bah, tu m'étonnes que ça sent la charogne, hein. Ça fait quand même 5 battles de pronostics que j'utilise ça. Et j'ai toujours pas pensé à laver. Ça fait peut-être temps quand même. Ça fait combien de temps que le chip utilise la même tenue? Alors, ça fait plus d'un an quand même. Hein. Pour faire la même chose, ça fait des économies et. Et c'est des économies, c'est bon pour le business. Non, la trêve de plaisanterie, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout d'abord pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année de la part du blog Catch sans frontières. On peut toujours voir mon sapin ici derrière qui commence à pencher dangereusement et qui va finir par me tomber sur la tête. Et ensuite, bah, c'est pour vous faire deux annonces. La première, c'est la création d'une page Facebook pour Catch sans frontières. Vous me direz à quoi ça sert une page Catch sans frontières sur Facebook alors qu'on a déjà un blog. Ben, ça permettra de mieux relayer les informations, d'être plus proche de vous, de créer des débats, de vous rapporter des images d'événements, comme des photos, des vidéos, à propos du W Live Tour qui va arriver ce mois de mai au Contrôle de Liège, étant donné que moi-même et GFG ils seront présents, on vous ramènera toutes les infos sur cela. Et ensuite, la deuxième information, c'est que j'ai enfin reçu mon convertisseur pour mon boîtier d'acquisition, qui va me permettre de faire des vidéos sur le jeu WW14, notamment du fameux mode 30 Years of WrestleMania, ce qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des matchs clés de ces 29 WrestleMania passés. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Donc la prochaine fois, on se retrouvera pour le premier match de WrestleMania 1 dans WW14. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne année remplie de catch et plein de bonheur. Salut !